tenter notre chance sur la machine à sous Hot Halloween. Donc ça, sur ce jeu, ce qui est intéressant, c'est les parties bonus free spin avec les symboles statiques. Si on a pas mal de symboles statiques d'entrée, ça rack du win à chaque re-spin, c'est pas évident. Et bien sûr, ne pas oublier que sur le long terme, le casino finit toujours gagnant. Ça, c'est le principe universel des casinos. Il y a 50, on va essayer. En plus, il y a des multiplicateurs sur la ligne de paiement, x1, x2, x3. Alors, Big Win, Joker Split, 500 balles. Alors, espérons qu'ils nous pondent les parties bonus assez rapidement avec du joli win à la clé pour les symboles statiques, histoire de se taper du Big Win à chaque respin, et ça, bien sûr, ça arrive pas à toutes les parties. Miracle. On tente pas au top. Chrono balance à 4 chiffres, j'imagine. Ah, sauf Big Win, Big Win égale égal rare. Alors, est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va coûter cher? Là, pour le moment, ça commence à coûter un peu. Ah, mais des fois, quand je vois les montants que les machines à sous rebouffent, je me dis, tiens, bah là, c'est le prix d'une moto, c'est le prix de ceci, c'est le prix... Enfin, vous m'avez compris.
perdu. J'ai tenté de rester sur des mises à 50 balles, mais si je vais continuer à payer que dalle, on va pas faire long feu. On va avoir le même scénario de jeu que, que la précédente machine à sous, le Noki Santa. On va perdre une blinde, les free games vont sortir et ça va rembourser 2-3 cacahuètes. Alors, pas grand chose. Le générateur symbole aléatoire, il est sympa, il nous balance une jolie et longue série de spins perdants. Quand je dis il est sympa pour le casino, pas vraiment pour le joueur. Qui nous le balance. Alors, est-ce qu'on va avoir des symboles statiques? On va voir. 182. On balance plus de symboles assez rapidement, histoire que on se tape des jolis wins sur les free games supplémentaires. Non, malheureusement. On n'a pas eu de 7, pas de big win, donc les respins ne sont pas au top. On a ça sur le x3, mais bon, ça n'en est pas grand chose. On n'a pas eu la super version avec des gros wins à chaque respin, donc on récupère 2172. Ouais, c'est pas top. Je vais tenter de voir si y a moyen de gratter un round 2 de free game, mais c'est franchement pas gagné d'avance. Donc voilà, scénario classique, le jeu il bouffe, je sais pas, 4000 balles par là. Les free games sortent, il en refile 2000, la moitié de ce qu'il a bouffé. Ouais, ça fut pas une série de parties bonus relativement chanceuses. Des fois sur ce jeu coup de bol sur les free games avec les symboles statiques, on a les 7 qui nous ramènent des big wins. Symbole statique, chaque respin ça rack, mais ça bien sûr ça arrive pas souvent. Thank you.
grande autre bonus. Je vais peut-être m'asseoir dessus, ça va être mal barré. Alors 6-7. Pardon, les spins cacahuètes, on en bouffe pas mal. Ouais, c'est impressionnant. De Joker Split, fonction activée. Bon, après ça, on se barre, donc espérons que ça rack. Est-ce qu'on va avoir des jolis symboles statiques ou est-ce qu'on va voir que dalle? Une balance du symbole supplémentaire. Malheureusement, on n'a pas les 7 en symbole statique, donc ça risque de pas être top niveau win. On les 7 ici, un peu mieux. Pas l'idéal quand même. Les deux restants, essayons de rebalancer les symboles. Pas top. Les dernières parties qui nous payent. Quand même un big win, deux, je suis curieux. 763, pas énorme. 2150, remonté à 7004. On avait commencé à 10005. Et ben voilà, bilan du jeu, qui est le gagnant, c'est le casino. Allez, petite pause, on verra pour les prochaines, mais là ça semble un petit peu quand même, enfin, un peu tendu.